qu'est-ce que tu fais avec la caméra? Il fait les réglages. Il va nous suivre toute la journée pour faire un petit peu le making of d'une préparation de tournée. Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, bonjour. Oui. Il sera là à 19h. Rare à Narbonne déjà, d'une, un peu plus de stress, c'est tout. Oh pardon. Bonjour, vous êtes monsieur? Oui. Et alors l'autoroute, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. En fait, j'aurais jamais dû t'appeler pour faire tant making of. Tant pis pour toi. Hein, ouais, c'est clair. À tout de suite. Pour prendre les places, ce sera le... On est parti? Allez. À Plancha del Sol, juste à côté, d'accord. Il faudrait que vous soyez un petit peu avant, comme ça, au moment où il arrive, enfin voilà, tout est cadré, tout est nickel. Et puis voilà, à 18h, il arrive, on s'installe, on pose les questions qu'on veut, et ça dure à peu près une petite heure. Ce qui risque de se passer... Oui, allô? Allô? Oui. À la fin, donc, à la fin de la conférence, je suppose que vous allez voir prendre des photos ou des réactions en salle, tout ça, pour aller plus vite que nous avec Franck Dubost, pour aller juste après ici en devant de salle pour prendre des photos, pour prendre les réactions, pour filmer, enfin pour faire tout ce que vous voulez. À 19h, il arrive, il fait son show, tout ça, et puis voilà, les personnes qui souhaitent regarder de nouveau le film ou attendre les réactions, tout ça, il n'y a aucun problème. Si vous voyez quelqu'un filmer là, un peu à droite, à gauche, c'est monsieur Stéphane Kovalczyk, le réalisateur que tout le monde doit connaître, je pense. Voilà. Il fait un petit making-of de cette journée. Écoutez, on est implanté en grande surface que depuis quelques mois et on a créé ce nouveau modèle spécialement pour. C'est la première chaussette en deux parties pour avoir chaud mais rester classe. Ce qui est à l'intérieur de la chaussure est plus épais que ce qui dépasse. C'est unique, c'est nouveau, c'est breveté. Pierre Suleiman. Un problème? Pas une fille? Plaque, taille moyenne, la trentaine. Mignonne? Vous savez, je vais peut-être vous paraître ridicule, Marie, mais je suis le genre de personne convaincue qu'il n'y a pas de hasard. On n'est que des rendez-vous. Je t'emmène. Mais il faut que tu me promettes d'être sage, d'obéir sans discuter, et de pas faire de caprices ou ce genre de trucs, ok? T'as cru que j'étais tombé dans l'eau tout à l'heure? Accroche-toi bien, je te dis. Soir, donc 17h30, soyez à l'heure s'il vous plaît, d'accord? Comme ça, à 18h, il arrive, tout est minuté, parce que derrière, il part à Perpignan juste après chez nous. Je vais vous donner ces petits cartons. C'est ma carte avec le tampon et la signature, d'accord? Pour entrer à la plancha, il faut impérativement ces petits cartons, parce que bon, si vous pouvez bien évidemment éviter de parler, qu'il sera à la plancha, ça m'arrangerait pour éviter que tout le monde débarque là-bas. Pour les quatre gagnants, d'accord? Et tu seras toute seule? D'accord, donc 5. Donc dès que c'est terminé la conférence de presse tout à l'heure, d'accord, on convite en salle 1.
ça roule. Il y a la conférence de presse, d'accord ? Donc j'ai réussi à avoir l'autorisation de vous faire rentrer à la conférence de presse, d'accord ? On pourra juste attendre dans un coin en attendant, d'accord ? On fera la photo avant ou après, je vais voir ça avec lui, comment... voilà. Attention, on a 30 minutes. Je lui ai dit H moins 30 minutes. Ah ! À chaque fois, c'est la bonne adrénaline là. Il y a du monde, il y a la pression du distributeur, il y a la pression de tout le monde, du client. C'est top. C'est bon quand même. Ça reste super. Mais bon, c'est normal. Allez-y, je vous laisse un. J'arrive, merci. Juste voilà, si on peut sortir, je suis désolé pendant un petit quart d'heure et voilà, c'est... Deux personnes. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est le photographe de... Et moi, c'est mon stagiaire que je t'avais dit que j'ai pas de... L'indépendant. Ah oui. Alors, l'indépendant. Et lui, c'est le photographe stagiaire aussi, donc le stagiaire. Donc il y a deux stagiaires aussi. Pour l'indépendant. Voilà, d'accord. Voilà, okay. Il y a un rédacteur et un photographe, donc c'est bon. Hop là. Allez-y. Voilà. Bonsoir. Donc pareil, d'accord. On va se mettre au fond derrière, d'accord. Donc, allez-y. Comme ça, ça me ressemble déjà beaucoup parce que moi je suis sur la route toute l'année avec mes spectacles, je suis un petit peu un représentant solitaire, du coup, comme si j'ai une équipe. Et puis l'enfant, le rapport d'un homme à de jouer avec un enfant comme ça, c'est plutôt difficile. Ça aurait pu être un des moments. Attiré par le fond, parce que c'est plus moi, alors c'est plus proche de moi, je suis plus proche de Marc Bajot et du Grand Nord que d'Apoc Chirac. C'est aussi une solitude qui renvoie à la question de la famille, parce que chacun de ces personnages, quelque part, a une famille qui, à un moment donné, a été défaillante. Et la famille comme étant ce qui constitue ce qu'on sera comme individu plus tard, voilà, ce qu'on deviendra. Donc c'est le cas du personnage que Franck interprète, c'est sa naïveté, c'est son côté il est encore pur de tout ce que la vie, même s'il a un début de vie qui n'est pas évident, cet enfant, il n'est encore pas avec le personnage. Et là, voilà, lui, il est encore vierge de tout ça. Et ça va les ramener chacun, et en particulier celui qu'on interprète, à choses essentielles. Parce qu'il y a, on a un besoin, l'enfant nous renvoie quelque chose que, qu'on a du mal à, quand un adulte joue en face de nous, ce qu'il nous renvoie est plus ou moins bien fait, ça c'est le talent de l'acteur en face, mais on sait ce que c'est à peu près, parce qu'on vit la même chose, si on a le même âge, on a le même rôle, le regard, on pourrait l'inventer nous-mêmes. Quand c'est un enfant, c'est difficile à aller inventer ce qu'il va nous faire. Je me suis rendu compte avec le temps que ce qui m'intéressait, ce qui devait m'intéresser le plus, c'est l'histoire et non pas le personnage que je vais jouer. Il faut que j'arrive pas à me cacher, mais à disparaître derrière l'histoire. J'ai beaucoup fait de choses où je prenais beaucoup de place. C'est intéressant, c'est sympa. C'est ce qui m'a rendu célèbre. Mais maintenant que je suis célèbre, autant que ce soit au service d'une histoire. C'est ça. C'est...
peut-être bien dit, mais c'est, je le pense. Est-ce que l'improvisation ou la spontanéité ont eu une petite part de place dans le film ? Au cinéma, non. Rarement. Il n'y a aucune scène qui n'a pu être jouée en étant imprévue, puis en se disant, tiens, on va la garder. Ça, au cinéma, il y a des mots parfois, mais comme on en a au cinéma, c'est assez rare parce que c'est tellement précis, et il y a tellement des champs, il y a des contre-champs et tout ça, que c'est assez rare quand même la libre, d'abord, pas bouger comme on veut, parce qu'il y a des mots qui font le point, donc on peut parfois avoir une idée et la soumettre, et puis on la garde, mais quand on a pied avec un enfant, on évite de s'écarter. Hein. Sinon... voilà, alors ça crée des choses, mais bon, on va se faire, parce que lui, c'est après dans la tête. Est-ce que vous connaissiez déjà tous les deux avant le film ? Pas du tout. Enfin, on s'est rencontrés en tournage quand même, hein. pas Internet, c'est un moment qui Internet. Moi, je rendez-vous sur un plateau de tournage. Je connaissais un peu plus que lui, je connaissais. Ça, c'est sûr. C'est la fin de semaine. Lui, il gagne en humanité, en sensibilité, en profondeur. Et comme on avait beaucoup d'images d'un Franck Dubos, souvent très comique et juste comique, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de creuser. Et puis après, je lui ai envoyé le scénario lui a plu. Et donc, on enferme du coup l'acteur dans un rôle dans lequel on l'a déjà vu. Donc là, en écrivant un personnage, on cherche ensuite le comédien qui sera le. Non, on va si j'ai vu qu'à l'endroit, on renvoie la famille, on raconte l'expérience de mère, personne âgée, on peut continuer. J'ai gagné aussi, monsieur Dubois. Pardon ? J'ai gagné aussi, moi. Ah oui ? Eh oui. Allez. Eh oui. Allez. Ouais. Allez. Je t'enverrai à la facture. Hein ? Y a pas de problème. Merci. Et moi, alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Eh bien, t'as gagné le droit de me suivre. Ah, d'accord, très bien. Bah, tout à l'heure, alors. Donc, allez-y. Je vais vous faire un bisou si vous avez gagné, quand même. La bise. Au vainqueur. Au vaincrice. Alors c'est Marc Bajot, un homme de 45 ans, moi, représentant de commerce qui sillonne la France, solitaire, célibataire, égoïste, avec sa petite vie bien réglée, d'une ville à l'autre, faite de rencontres d'un soir, un homme d'apparence libre, libre dans sa tête, et puis en fait enfermé dans une vie bien carrée. Est-ce que vous connaissez un petit peu dans ce personnage. Alors oui, je me reconnais un peu. Alors pas dans tout ce que j'ai décrit, mais dans ce côté, dans cette impression parfois qu'on a d'être libre, d'être finalement enfermé dans ce qu'on vit. Ça, je l'ai vécu longtemps parce que j'ai été représentant. Moi, je le suis. Je suis représentant de mes spectacles. Je parcours la France. Il y a des fois, on s'enferme un petit peu. Il y a un côté. Parle beaucoup pour son métier, peu dans la vie. Parle peu pour dire les choses essentielles. Ça me ressemble le plus. Moi, je parle beaucoup, je papote beaucoup quand ça concerne mon métier, quand il faut que, comme ça, dans une interview, face au public et tout. Mais dans la vie, je m'économise en mots, comme lui. Alors, on a plutôt l'habitude de voir dans un genre, on va dire, des comédies, etc. Là, c'est un tout nouveau style pour vous. Est-ce que c'était difficile de vous mettre justement dans ce personnage ? Et est-ce que vous appréciez ce style-là ? Alors non, c'était pas difficile du tout, c'est même plus facile. C'est plus facile de ne pas faire rire. Parce que, moi c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on pleure tous des mêmes choses, mais on ne rit pas des mêmes choses. Ce qui fait que c'est moins risqué. Le rire est risqué, et le rire, on court facilement le risque d'avoir quelqu'un qui nous dit « Oh, tu ne me fais pas rire ». Jamais quelqu'un va venir nous voir en disant « Oh, tu ne me fais pas pleurer ». Donc c'est moins risqué déjà. Alors, ensuite, l'humour au cinéma ou sur scène est tellement
compliqué, difficile, précis, que quand on se retrouve à plus rien avoir à faire que de suivre un texte, un scénario. Puisqu'on pouvait, ça va être Nicolas Brossette qui va arriver, il sera quelques pas d'ici. Je vais vous les demander, n'oubliez pas le challenge qui est en jeu, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on va les accueillir, comme il se voit. Allez, j'aimerais avoir d'avoir toute la salle soulevée en premier, et ça c'est important. J'aimerais qu'on s'accueille tout le monde, debout. J'aimerais qu'on les applaudisse, comme il se voit. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bordel, comme il se voit, des côtés de l'arbre. Regardez bien, ça se passe juste là où Nicolas Brossette. Il vous écraser. Et on va faire encore plus de bruit maintenant pour monsieur Franck Dubias. Plus de bruit normal, s'il vous plaît. Bonsoir et merci. Je vais laisser la parole d'abord à Nicolas qui le réalisateur, je vous présente Nicolas Brossette. Eh bien, merci de votre accueil. C'est mon premier film. Donc, même si on fait une tournée dans toute la France, vous êtes le premier public de ce film. Et voilà, j'ai coutume de dire que quand on fait un film, on écrit l'histoire tout seul. Et puis après, il y a des producteurs qui font confiance, il y a des comédiens qui font confiance, il y a une équipe qui fait confiance. Et ça, c'est toujours un peu étonnant. Et c'est encore plus étonnant et plus émouvant quand c'est le public qui fait confiance. Donc merci pour votre curiosité, merci d'être là ce soir. Je ne suis jamais venu présenter un film, Madame Bonne. Oui, non, jamais. Et je trouve ça bien justement parce qu'on vient souvent dans les mêmes villes. Et donc de revenir voir un autre public pour... je trouve ça intéressant et je remercie tous les gens qui ont organisé le fait qu'on puisse venir ici aussi. Voilà, des gens du CGR, et puis de Métropolitane, les distributeurs, donc je remercie de l'amener un petit peu, je crois que c'est le plus rare ici, de venir présenter les films. Non, le petit garçon n'est pas venu parce que c'est fatigant une tournée, et puis l'école, alors déjà que pendant le film, on l'a retiré de l'école pendant 9 semaines, alors certes, il avait quand même une maîtresse avec lui, hein, tout au long du... Réacteur. Maîtresse d'école, Franck. Ah, d'accord. Maîtresse d'école. Voilà, on ne pouvait pas lui imposer cette fatigue, et puis je pense qu'il aurait été très timide devant vous, en fait. Quel âge a elle ? 19 mois. 19 mois, mon Dieu. Elle sait qu'on parle d'elle, bien. Oui ? Monsieur Brossette, c'est votre premier film, me semble-t-il. Qu'est-ce oui. qui a fait que vous soyez tourné vers Monsieur Dubosc pour travailler ensemble? Je me le demande encore. Non, j'avais besoin d'un comédien qui ait la sympathie du public pour équilibrer un peu les choses. Et puis surtout, vous verrez qu'au début du film, le personnage il est un peu égoïste, un peu caricatural. On se fait une image de lui qui n'est pas très bonne. Et plus on avance, plus il gagne en humanité, en sensibilité, en profondeur. Et moi, ça m'intéressait de proposer à Franck, qu'on avait beaucoup vu dans des rôles de comiques et dont certains pouvaient penser qu'il n'était capable que de ça, de lui proposer un rôle où il pouvait mettre en avant davantage la sensibilité, la sincérité que j'avais vue chez lui déjà, avant. On est obligé de partir ailleurs après. D'accord. On ne pourra pas être... En revanche, attendez, hein, n'oubliez pas mon Facebook, hein. Moi je veux de vos remarques. Donc là aussi, je lis tout et je regarde Franck Dubosc officiel. Je te verrai et essaierai de t'embrasser, mon fils, c'est le DS4 de sa crèche. Oh, elle est belle, hein? Oh là là, il y a un fils, mon Dieu. Il est très bon goût.
Excusez-moi, hein, moi, j'ai plus le mien depuis une dizaine de jours, donc ça me manque un petit peu. Ah oui, demain. Et autre question. Ah, il y avait quelqu'un. Oui, là, voilà, la dame qui a la main. Là, c'est une dame, je sais. Alors, un garçon cheveux longs, mais. Là, c'est une dame. Hein. Je voulais savoir si c'était facile pour vous de jouer avec un enfant. Ah. Oui. Avec le petit Mathis, c'était très facile. C'était très facile parce que justement, il était plutôt. Nicolas va vous en parler encore mieux parce que lui, il le dirigeait. C'est peut-être plus difficile à diriger que. Moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, oh là 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 là, ça me plaît parce qu'il y a un enfant, j'aime les enfants, tout ça, mais alors. Non, parce que c'est vraiment un vrai petit comédien. C'est pas seulement une nature. C'est le résultat d'un casting de plusieurs dizaines d'enfants qui s'est étalé sur plusieurs mois. Et normalement, au cinéma, on prend toujours des petits garçons de 8 ans pour jouer des rôles de 6 ans parce qu'ils sont plus vieux, donc ils comprennent plus les indications, ils ont plus de concentration. Mais il se trouve que Mathis, il s'est imposé, vraiment, il était extraordinaire pendant les essais. Parce que Franck s'est mis à improviser et Mathis lui a répondu en restant le personnage, sans me regarder, chercher ce qu'il avait à dire. Il le fixait et il continuait à être le personnage. Et pendant tout le film, vous allez voir que dans le film, il n'est pas du tout dans le film comme il est dans la vie. Et il avait tout à fait compris que quand on disait action, bah, il fallait qu'il joue, et quand on disait coupé, bah, il pouvait continuer à chercher un jouet, reprendre l'histoire qu'il avait commencé de raconter avant la prise. Quand on a cherché le rôle de Pierre, j'ai pensé à Claude Rich en me disant que ce serait incroyable, ce serait formidable, mais je n'y croyais pas deux secondes. Et mon producteur me dit, mais qu'est-ce qu'on risque? On lui envoie le scénario, s'il n'aime pas, il n'aime pas. Et on lui a envoyé le scénario, il se trouve qu'on a une réponse assez rapide de son agent qui nous a dit que Claude est très intéressé, mais veut rencontrer le metteur en scène. Donc je suis allé chez lui, et je ne vous cache pas, quand je suis arrivé en bas de chez lui, j'ai sonné, je me suis dit, mais pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi? Et dès le moment où il a ouvert la porte, en 5 secondes, il m'a fait oublier qu'il était Claude Rich. Et on a discuté pendant 2 heures, et au terme du rendez-vous, je lui ai dit, bon, moi Claude, je vous fais confiance pour le film, maintenant, c'est à vous de me faire confiance en retour, puisque moi, c'est mon premier film. Et il m'a dit, bah, écoute Nicolas, la façon dont tu m'as parlé de ton film et du personnage, moi j'ai envie de te faire confiance, allons-y. Donc ça s'est fait aussi simplement que ça, en fait. Ceux qui m'ont fait exister, j'ai envie de leur donner encore ce qu'ils ont envie de voir de moi, voilà. Maintenant, je ne veux pas faire du cinéma pour me faire plaisir et me montrer un peu sérieux et tout ça. Donc je pense que les deux, mais je me suis amusé aussi à faire ça. Donc je pense que arriver à faire les deux, ce serait bien. Maintenant, c'est le public aussi qui va décider de ça, c'est pas moi. C'est le public qui ne veut pas voir. Alors forcément, on attend toujours moins d'entrées dans un film sérieux, c'est normal. La pression est moins grande, la demande est moins grande de la part des producteurs de faire ces films. C'est plus réservé à un public moins large que la comédie c'est très large comme public. Mais voilà, je veux pouvoir et me faire plaisir et faire plaisir au public en même temps de jouer les deux. Mais j'aime autant jouer Patrick Chirac que ce personnage-là, n'a pas joué les deux. Vous voyez, donc je voudrais continuer à faire les deux, je ne pourrais pas juste partir dans une direction. Ce serait vraiment se prendre la tête, parce que je suis spectateur et j'ai des artistes que j'aime, que j'ai vu tout à coup un jour ne faire plus que du film sérieux. Je les aimais dans ces films sérieux-là, mais ça m'a manqué de les voir dans des films un peu plus rigolos. Et donc voilà, donc je me dis, bah, moi à ma place, peut-être que je me dois aussi de continuer à faire les deux pour satisfaire les deux publics. Merci. J'aimerais que vous placiez un projecteur, s'il vous plaît, et sur la télé, c'est les gars, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Nicolas Brossette, le réalisateur, et Monsieur Pradivox. Narbonne, faites du bruit, s'il vous plaît. Passez un agréable moment, et sortez vos mouchoirs. Non, pas forcément. Au terme, Franck. Ouais. Si tu pouvais être un peu. Merci à vous, moi aussi, je vous aime. À très vite. Au revoir. Allez, s'il vous plaît, avec ce moment, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, s'il vous plaît, c'est important pour eux. Et puis j'aimerais vous remercier aussi vos collaborateurs de la vie avec moi, Jérémy, et les collègues du chef. Qu'est-ce qu'elle est belle. Si elle est tout personnel, ouais, si elle est tout personnel, ouais. On peut prendre une photo avec une petite vidéo. Ah, pas non. On a le temps de prendre une photo avec tout de suite. Allez, allez, vas-y. Génial.
Allez, on bouge pas. Allez. J'espère qu'on ne va pas à terre. Merci de vous être arrêté à l'arbre. Ben merci. Merci. Merci de votre accueil. Au revoir. Allez. Au revoir, merci. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Allez, à vous. Au revoir. Ah, c'est bon. C'est bon. Au revoir. C'est bon. Bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Ouais. On n'oubliera pas qu'il y a parlé, d'accord? C'est bon? Il y a du monde qui attend, c'est en contact. Mais voilà. Ça s'est bien passé. Hein? C'était top? Génial, parfait. Génial. Et ben voilà.